Disposez le jarret demi-sel dans de l'eau froide. Ajoutez un cœur de céleri, les poireaux, les carottes, le bouquet garni, les baies de genièvre, les grains de poivre noir et les clous de girofle. Portez à ébullition et cuire pendant 4 heures à feu doux. Prélevez le zeste des oranges, du citron jaune, du citron vert et du pamplemousse. Écumez le bouillon du jarret de porc. Quand on veut faire un bouillon de légumes à base de légumes ou même un bouillon de viande, c'est toujours important d'écumer dès le départ cette partie, ces impuretés qui remontent en surface pour avoir toujours des bouillons très clairs. Et surtout, il faut le faire avant l'ébullition parce que dès qu'il y a l'ébullition, ça reprend, ça met, ça se brasse et le bouillon, après c'est fini, on ne peut plus le rattraper. Après 4 heures de cuisson, égouttez le jarret. Mettre le miel dans une cocotte, ajouter le jus d'une orange, la moitié du jus de pamplemousse, la moitié du jus de citron vert et la moitié du jus de citron jaune. Portez à ébullition et faire réduire jusqu'à obtenir une sauce sirupeuse. Disposez le jarret dans le sirop d'agrumes, l'arroser et l'enfourner 3 quarts d'heure à 180 degrés en l'arrosant toutes les 2 à 3 minutes. À la sortie du four, réservez le jarret sur une assiette et détendre le sirop de cuisson avec le jus d'orange, le jus de pamplemousse, le jus de citron jaune et le jus de citron vert restant. Ajoutez les zestes de pamplemousse, de citron jaune, de citron vert et d'orange. Mélangez et faire réduire de moitié. Poivrez légèrement et dressez avec le jarret de porc laqué. Pour 4 personnes, un jarret de porc demi-sel, 2 cuillères à soupe de miel, 2 oranges, 1 citron jaune, 1 citron vert, 1 pamplemousse, 2 poireaux, 3 carottes, 1 cœur de céleri branche, 1 bouquet garni, 4 baies de genièvre, 4 clous de girofle, 10 grains de poivre noir et du poivre du moulin.